Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment formuler les objectifs de recherche dans un mémoire. Alors, les objectifs d'un mémoire, c'est la raison d'être de votre étude. C'est tout l'intérêt de la rédaction d'un mémoire, justement, c'est de répondre à ces objectifs-là. En présence d'une problématique ou d'une question de recherche, tout l'intérêt, c'est d'obtenir une réponse fiable, une réponse scientifique à cette problématique de départ. Alors, l'objectif, ce doit être clair, précis, sans ambiguïté. Il faut que la question, que la problématique soit vraiment formulée de manière très précise et qu'on puisse y répondre également de manière précise et scientifique. Alors, les objectifs doivent être réalistes et faisables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir la possibilité d'obtenir les réponses concernées. Ça passe notamment par une accessibilité, par exemple, des personnes interviewées ou une disponibilité de l'information par rapport à une étude de cas ou par rapport à une analyse sur un échantillon d'entreprise, par exemple. Donc, toutes les observations, enfin, la méthodologie de la partie empirique qui va consister à définir la manière dont on va s'y prendre pour vérifier scientifiquement nos hypothèses de départ, doit être faisable, réaliste, accessible, puisque si ce n'est pas le cas, on ne va pas pouvoir remplir nos objectifs de recherche. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier en amont. Alors, un objectif de recherche est formulé par un verbe d'action, c'est-à-dire démontrer, vérifier, identifier, expliquer. C'est ça un objectif de recherche. Donc c'est quelque chose qui doit être posé dès le départ, qui doit être faisable et qui va, in fine, la plupart du temps, vous permettre d'obtenir une réponse à la problématique de votre mémoire. J'espère que cette vidéo vous aidera dans la définition de vos objectifs de recherche et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.